Coucou, c'est le tutorat. Cette semaine, on va vous parler d'optique et plus particulièrement des fentes d'Young et des lentilles. Intéressons-nous au QCM 1. Je vous laisse faire pause pour prendre note des informations importantes et pour tenter de résoudre l'exercice de votre côté. D'après l'item A, la lumière monochromatique est bleue. Dans l'énoncé, on nous indique que la longueur d'onde lambda est égale à 800 nanomètres. Voici une représentation du spectre des ondes électromagnétiques. On peut noter que plus une onde électromagnétique a une longueur d'onde courte, plus sa fréquence est élevée. A l'inverse, plus sa longueur d'onde est importante, plus sa fréquence sera basse. En effet, cela se vérifie par la relation lambda est égale à la célérité sur la fréquence. La longueur d'onde est donc inversement proportionnelle à la fréquence. Si on s'intéresse au spectre du visible, on voit qu'il s'étend de 400 à 800 nanomètres. Si on se fie à ce graphique, une longueur d'onde égale à 800 nanomètres correspond donc à une longueur d'onde rouge. L'item A est faux. Qu'est-ce que des fentes d'Young? Il s'agit d'un dispositif avec une source monochromatique. Ici, c'est le laser qui émet une longueur d'onde lambda est égale à 800 nanomètres. Il y a aussi un obstacle constitué de deux fentes séparées par une distance A et un écran placé à une distance d de l'obstacle. Chaque fente constitue une source secondaire qui émet dans toutes les directions de l'espace. Sur l'écran, on va obtenir une figure d'interférence. Intéressons-nous aux items B et C. Il s'agit de déterminer quelle est la longueur d'onde de l'interfrange I. Attention, l'interfrange I reste constant, peu importe entre quelles tâches on le mesure. Un interfrange correspond soit à la distance entre deux tâches lumineuses, c'est-à-dire entre deux maximums d'intensité lumineuse, soit elle correspond à la distance entre deux tâches sombres, c'est-à-dire entre deux minimums d'intensité lumineuse. L'interfrange I correspond à la longueur d'onde multiplié par la distance d sur la distance a. On sait déjà que la longueur d'onde lambda est égale à 800 nanomètres. Reprenons les autres données de l'énoncé. L'énoncé nous indique que les fentes sont espacées de 0,05 mm, ce qui correspond à la distance a. De plus, l'énoncé nous indique que l'écran se situe à 3 mètres des fentes, ce qui correspond à la distance d. On a donc lambda est égal à 800 nanomètres, d est égal à 3 mètres, a est égal à 0,05 mm. Il faut faire attention car les différentes valeurs n'ont pas les mêmes unités. Il faut donc tout convertir dans la même unité. On a choisi le mètre. 800 nanomètres est égal à 800 fois 10 puissance moins 9 mètres, ce qui est égal à 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. On garde D est égal à 3 mètres. Et 0,05 mm est égal à 0,05 fois 10 puissance moins 3 mètres, ce qui est égal à 5 fois 10 puissance moins 5 mètres. Pour aboutir à I, on résout donc le calcul suivant. On simplifie d'abord le numérateur autant que possible, puis le dénominateur. Pour calculer plus facilement 24 divisé par 5, il suffit de multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. 48 divisé par 10, c'est tout de suite plus simple. On obtient donc I est égal à 48 fois 10 puissance moins 3 mètres, ce qui correspond également à I est égal à 48 mm. L'item C est vrai et l'item B est faux. Dans l'item D, on nous dit qu'on observe une grande tâche centrale de largeur 2i. Attention, on a une tâche centrale de longueur 2i si on met en place un dispositif avec une source, une seule fente et un écran. On aura alors un phénomène de diffraction. Alors que dans notre exercice, avec les fentes d'Young, il y a deux fentes et on obtient une figure avec des interférences, comme on a vu précédemment. L'item D est faux. D'après l'item E, l'espace entre deux franges successives est toujours constant. Comme on vient de le voir, on a affaire à des fentes d'Young. Deux franges successives sont séparées par un interfrange I constant. Deux franges successives sont donc équidistantes. L'item E est vrai. I'm here because Dumbledore asked me. End of story. Goodbye, the end. Any questions? Abordons le QCM 5. Item A. La vergence de la lentille est proche de 4,444 m-1. Rappelons d'abord que la vergence traduit le caractère divergent ou convergent d'une lentille. Elle est notée V et s'exprime en dioptrie, notée delta, qui équivalent à des mètres moins 1. Si la vergence est positive, la lentille est convergente, et si elle est négative, la lentille est divergente. Elle est égale à l'inverse de la distance focale image, soit OF', qui est lui-même égal à la différence entre l'inverse de la distance entre la lentille et l'image de l'objet, et l'inverse de la distance entre la lentille et l'objet, soit 1 sur OA' moins 1 sur OA. A noter que toutes les distances de ce calcul sont en mesure algébrique. Il faut bien faire attention à ça. D'après l'énoncé, on ne connaît pas la distance focale image, mais on connaît OA et OA'. Il s'agit maintenant de ne pas se tromper au niveau des mesures algébriques. Traçons un axe sur lequel on va placer la lentille, l'objet et l'image.
Nommons la lentille et plaçons le point O. L'objet AB est placé à 30 cm de la lentille. On s'occupe uniquement du point A. Et l'image est à 90 cm de la lentille. Il est précisé que celle-ci est réelle, donc elle est à droite de L. Pareil, on ne s'occupe que de A' ici. L'axe est orienté vers la droite, donc en mesure algébrique, OA' est positif et OA est négatif. On a donc OA égale moins 30 cm et OA' égale 90 cm. Et on n'oublie pas de tout convertir en mètres pour obtenir notre vergence en mètres moins 1. Il suffit maintenant d'appliquer notre formule et on trouve bel et bien la proposition de l'item. L'item A est vrai. La distance focale entre le centre optique et le foyer image est positive. On vient de calculer la vergence et on a bien vu qu'elle était positive. Sachant qu'elle est égale à l'inverse de la distance focale image, qui est OF', cela signifie que la distance focale image est positive elle aussi. Donc l'item B est vrai. C. La distance focale entre le centre optique et le foyer image est de 0,225 m-1. Si on veut calculer la distance focale image, il nous suffit d'utiliser la formule que l'on utilise depuis le début de l'exercice. Nous n'aurions qu'à remplacer la vergence par la valeur trouvée en A. On aurait OF' égale 1 sur V, soit 1 sur 4,444. Mais là, on n'a pas besoin de se lancer dans le calcul. En effet, si on regarde l'unité de la valeur proposée, on voit bien qu'elle ne peut pas correspondre à une distance qui s'exprime en mètres. Comme au premier semestre, faites bien attention aux unités en UE3 pour ne pas vous lancer dans des calculs inutiles. L'item C est faux. Et enfin, occupons-nous des deux derniers items. Ils vont de pair. L'un est juste et l'autre faux, forcément, puisqu'une lentille est soit divergente, soit convergente. Rappelons que c'est la vergence qui détermine le caractère convergent ou divergent d'une lentille. On a calculé notre vergence, et elle était égale à 4,444 dioptries. Elle est positive, donc notre lentille est convergente. L'item D est faux et l'item E est vrai. On espère que ça vous a été utile. Bon courage, restez motivés, on croit fort en vous.